bienvenue à votre émission L'horticulture dans tous ses états. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on devait faire une petite expérience. On n'a pas eu le temps de concrétiser notre plan. Fait que cette semaine, on va faire ça. Et puis par la suite, on rentre à l'intérieur parce qu'on va parler de nos plantes d'intérieur. Ben bonjour Marthe, on se retrouve encore une fois sur ton balcon. Ben oui. Ben oui. Puis on va procéder à la petite expérience que tu voulais nous montrer la semaine dernière. Oui, ben expérience, ben ouais, il y a un entretien, puis l'expérience, ben on pourra pas l'avoir parce que ça va être cet hiver chez moi. OK. On reviendra te voir. Oui, c'est ça. Mon expérience que je planifie faire, c'est que le cosmos qui est ici, c'est un cosmos géant. Puis c'est une plante annuelle. OK. Fait qu'en principe, elle meurt. L'expérience que je veux faire, c'est le rabattre, le tailler, puis le rentrer à l'intérieur, puis regarder voir s'il va pouvoir repartir l'année prochaine. OK. Ça va être l'expérience que je vais voir, je vais le savoir le printemps prochain, s'il passe l'hiver. Ouais. Là, ce que je voulais vous montrer cette année, c'est que le cosmos, c'est une plante qui fleurit énormément. Puis, comment faire pour avoir une floraison maximale sur cette plante-là? Le but de la plante, habituellement, toutes les plantes annuelles qui ont un cycle d'un an. Le but, c'est de pousser, faire des fleurs, faire des graines et se reproduire parce qu'ensuite, elle meurt. OK. Parce que le cycle est de un an seulement. Fait que le but est la reproduction et la production de semences. Donc, on a des belles fleurs comme elle ici. Je ne sais pas si tu la vois bien à la caméra. Oui, oui, oui. Ça, c'est une fleur en pleine expansion. Elle est super belle. Celle-là ici, elle commence à faner. Okay. Les pollinisateurs ont probablement passé. Pollinisateurs, je parle de bourdons, abeilles, n'importe quel petit insecte qui passe, qui va polliniser. Celle-là ici, les pétales tombent. On voit qu'elle a été fécondée. Toutes les pétales vont tomber. Et ici, à l'intérieur, ça, c'est toutes des petites semences en devenir. OK. Fait que c'est cette partie-là que je vais conserver. C'est ça qui va me donner toute une centaine de graines, à peu près. Ah oui? Oui, puis que je vais conserver pour faire mes semis l'année prochaine, pour reproduire cette plante-là. OK. Pour avoir un maximum de floraison, c'est que si la plante, elle est comme ici, il y en a plusieurs qui sont en train de faire des semences. Oui. OK. Là, la plante va mettre toute son énergie dans ces semences-là, parce que on n'oublie pas que son but ultime, c'est de se reproduire. Okay. Donc, elle va mettre toute cette énergie pour faire ses semences. Nous autres, on veut des fleurs. Oui, c'est ça. On veut pas juste des semences, on veut des fleurs. Fait qu'il faut tailler les fleurs fanées. Elle, je la garde, par exemple. Parce que je vais m'en garder une ou deux. Pas mal, là. Oui, c'est ça. Je m'en garde quelques-unes pour avoir des semences de qualité. Je vais les vérifier. Elle est belle. Elle est belle. Et les autres, pour favoriser ma plante à se refaire d'autres fleurs, je vais l'empêcher de faire ses semences. Il faut qu'elle arrête de mettre son énergie là-dedans. Il va falloir qu'elle mette son énergie ailleurs. Fait que là, je vais les tailler. Okay. Le cosmos, il est facile à tailler parce que sur la fleur, il y a une belle grande tige. Puis on va couper tout simplement à la base ici, à la jonction de la feuille, avec un petit ciseau. On enlève ça. Ciseau bien affilé ou un bon ou un petit sécateur. Puis on enlève ça jusqu'à la dernière feuille qu'on rencontre. Ça, c'est ma conservée que je veux conserver. Puis, ici, un exemple. Là, on voit qu'il y a plein de boutons en devenir. Ouais. Ça, c'est des boutons. Ça, c'est des boutons. Ici, cette fleur-là, elle est fanée. Mais, regardez, il y a un beau petit bouton ici. Là. OK. Fait que là, je n'irai pas couper plus bas. Je vais avoir une fleur qui s'en vient ici. Fait que je vais couper juste ici. Juste à ras de la fleur. Puis là, ça va favoriser le développement. Là, la sève arrête de monter pour aller donner de l'énergie aux graines. Oui, oui. Fait que là, elle va monter dans ce bouton-là. Puis ça va permettre à la fleur de s'épanouir plus rapidement. Fait que je vais tout simplement tout enlever ce qu'il y a en fleurs fanées, à part celle que je veux conserver pour mes semis. Oui. Il y en a une belle ici que je vais conserver. Puis, ça va favoriser le développement de tous les autres boutons qui s'en viennent. Je ne sais pas si on peut les voir.
J'essaie de vous donner une petite prise de vue. Là. Oh, toutes les petites bouboules qu'on a là, là c'est toutes des belles fleurs qui s'en viennent. Oui, oui. Fait qu'en lui permettant de mettre son énergie là-dedans, je vais avoir encore une superbe de belle floraison spectaculaire. Encore pour les prochains mois là, de beau temps qui s'en viennent encore. Je pense qu'on va avoir encore du beau temps. C'est-tu un arbuste qui vient... C'est un arbuste qui est quand même assez haut, c'est assez gros. Pas un arbuste, c'est une... On appelle ça une herbacée. C'est une herbacée. C'est une herbacée. C'est pas une plante... C'est une plante un peu ligneuse qui va avoir un tronc quand même assez solide. Mais c'est pas une plante qui va faire une écorce. Okay. C'est une tige qui va être assez, assez rigide, très résistante, mais il n'y a pas d'écorce. On le voit, c'est pas une écorce d'arbre, ça, là. Ouais. C'est ce qu'on appelle une branche herbacée. C'est des plantes herbacées. OK. Ce qui est arbre, c'est des plantes ligneuses. Ligneuses. Là, ça devient du bois, un peu comme je vous ai montré la semaine dernière avec le petit piment. Oui. Le petit piment a commencé à changer de couleur. Le tronc change de couleur, il durcit, il change vraiment, il se fait une écorce. Ça, c'est une plante ligneuse. OK. Fait que le cosmos, c'est une annuelle, fait que c'est, ça reste une herbacée, mais c'est une plante qui est quand même assez solide. Puis cette variété-là, il est super beau, là, regardez la grandeur qu'il y a. Ben oui, c'est le cosmos géant, puis ça, c'est ça, ça fleurit tout l'été. Un cosmos géant. Fertilisé abondamment, puis avec son petit feuillage vaporeux, c'est toute beauté. Oui, quand c'est plein de fleurs, là, c'est superbe. Ouais. Fait que c'est l'entretien du cosmos. Le cosmos. Et puis, pour le printemps prochain, ben, je vous dirai si mon expérience a marché. Ben oui. Fait qu'on rentre dans l'intérieur, on va aller voir les plantes d'intérieur. D'accord. À vous l'honneur, ma chère. On fait quoi avec nos plantes d'intérieur à l'automne? Bon, à l'automne, c'est sûr que il y a des plantes qu'on va rentrer de l'extérieur qui vont probablement avoir besoin de traitement, comme on disait tantôt. Oui. Et de probablement de taille aussi. Surtout pour celles qui vont hiverner, là, un petit peu comme mon brugmansia, lui, c'est taille. Puis, mais la majeure partie des plantes tropicales, c'est des plantes qui vont être en croissance pas mal constante dans la maison parce qu'ils ont une température presque comme dans leur pays d'origine. Okay. Sauf que l'hiver, ici les au Canada, au Québec, les journées sont très courtes l'hiver. C'est la période d'ensoleillement qui va faire le changement. OK. La plante le sait, parce que la période de luminosité diminue. Fait que donc, la plante, elle va ralentir, elle arrête de croître. La croissance, c'est fini, là. À moins qu'on lui mette un éclairage d'appoint, comme on disait. Oui. La fertilisation, l'hiver, c'est très minime. OK. Je dirais même inexistant, décembre, janvier, faut c'est presque pas se casser la tête parce que ça donne rien. Dans le fond, c'est mieux de pas fertiliser? Décembre, janvier, mieux. Pas nécessairement mieux, mais pas nécessaire non plus. OK. Parce que, surtout pas en dose normale, Ça, c'est vraiment des doses réduites si on en met. Parce que la plante va, un petit indice que je pourrais donner, question d'engrais, d'arrosage et d'entretien régulier, ça va toujours en fonction de la lumière. OK. On commence avec la lumière. Plus il y a de lumière, plus il y a d'engrais, plus il y a d'eau. Moins il y a de lumière, moins il y a d'engrais, moins il y a d'eau. Parce que la plante a ralenti. Alors vraiment, son besoin premier, c'est la lumière. Fait qu'on y va avec ça. Puis, vu que, comme je disais, l'hiver, les journées sont très courtes, on fertilise, moi, personnellement, décembre, janvier, je mets rien. Puis le restant de l'année, le restant de l'hiver, je vais y aller avec les engrais bio. Moi, ce que je pense, c'est qu'on en parlait, là, la semaine dernière, je pense. Oui. Les algues marines. OK. Oui. C'est liquide. C'est une cuillère à thé dans un litre d'eau. En période de croissance, j'y vais pas à chaque arrosage, c'est pas vrai. Une fois par semaine, à la dose normale, une cuillère à thé dans un litre d'eau. Une fois par semaine. Tout ce qui pousse. Les plantes d'intérieur comme les plantes du balcon. OK. L'hiver, j'y vais avec une demi-cuillerée à thé par litre d'eau. Je coupe la dose en deux.
OK. Moitié moins. Je peux y aller une fois par semaine aussi ou une fois aux deux semaines. C'est vraiment minime. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Ouais. C'est vraiment une survie. Oui, oui, oui. Les plantes, vous allez le remarquer, ils stagnent toutes l'hiver. Oui. C'est à moins qu'il y ait des plantes vraiment de floraison d'automne, de floraison d'hiver, qu'on va provoquer. Bon, il me vient en tête la marilis. Ouais. La marilis qu'on veut qu'il soit en fleurs à Noël. Oui. C'est un bulbe qu'on va planter à peu près à fin de septembre. Octobre, novembre. Oui, à peu près à fin de septembre, début octobre, pour l'avoir en fleurs. Mais c'est un bulbe qui va être en dormance, okay, d'avance. Puis là, on le plante. Puis là, lui, il faut le fertiliser parce qu'on veut qu'il soit en fleurs. Ouais. C'est, de toute façon, c'est nous autres qui le provoquent. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Le cactus de Noël, que normalement, il y a une floraison, une première floraison à l'automne, au mois d'octobre. Souvent, en décembre puis janvier, il fait une deuxième, okay, floraison. Moins, mmh, abondante, mais il fait une deuxième floraison. Ouais. Eux autres, on va les fertiliser. Mais la plupart des plantes vertes, c'est vraiment minime comme, oui, c'est vraiment minime comme fertilisation. Il faut faire attention à l'arrosage. Une plante qu'on va garder légèrement humide en temps normal, on la laisse sécher un petit peu plus. OK. On peut permettre de laisser ça sécher un petit peu plus. OK. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Faut pas mettre trop d'eau parce qu'on risque de faire pourrir les racines. Oui, oui, oui. On diminue là, tout. Oui, c'est ça. On diminue tout en période hivernale. C'est sûr qu'ils ont chacun le besoin particulier. Si je pars d'une sansevière à aller à une orchidée ou à une violette africaine, les besoins sont pas les mêmes. Mm-hmm. Fait qu'il faut aller selon les besoins de la plante en lumière en partant. Ouais. Parce que c'est la lumière qui va faire en sorte que qui détermine le besoin du reste. Oui, les temps de floraison aussi, là, c'est ça. Okay. Puis les périodes de repos. Okay. Les orchidées, c'est un petit peu particulier. Ouais. Parce que c'est pas les mêmes besoins en terreau, premièrement. Okay. Parce que c'est pas du terreau. Une orchidée, c'est planté dans des copeaux de bois. Ah, ouais. Ouais, c'est complètement différent. C'est une plante. C'est une plante épiphyte. On va te sortir un beau, okay, grand mot. OK. L'orchidée, c'est une plante. On va sortir le dictionnaire. Bien, il y a des épiphytes. Il faut faire attention parce que ce pas toutes les orchidées qui sont épiphytes. Il y a des orchidées terrestres, mais les orchidées épiphytes, ça veut dire que c'est une plante qui va pousser accrochée dans les arbres. Dans son pays d'origine, c'est une plante qui s'agrippe aux branches des arbres. OK. Puis qui va capter tout ce qu'elle a besoin en éléments nutritifs. Regarde-moi là-dedans, celle-là. Là. Par son feuillage. Puis je vais t'en sortir une qui a des belles racines. De... Ouais, ces, ouais, racines-là là, qui s'accrochent à... Oui. Qui s'accrochent aux arbres. Là. Oh, oui, ça, c'est des racines, ouais, aériennes. Ah, wow. Ça, c'est des racines aériennes. Fait qu'avant d'en utiliser une partie, je l'ai déjà expérimenté au centre jardin. Je l'ai accroché dans un ficus. Dans un petit arbre comme j'en arrière ça, de moi. Ouais. Il était plus gros. Je l'ai accroché avec une broche, une petite motte de mousse de tourbe, okay, puis je l'ai laissé aller. Puis au bout de quelques mois, les racines s'enroulaient après les branches. Ah, ouais. Oui, elle s'est agrippée vraiment solidement. Puis les autres racines qui vont déborder, on coupe pas ça. Ça veut pas, okay, dire qu'elle a besoin d'être empotée. OK. Parce que dans son pays d'origine, elle va s'en servir pour capter l'humidité. Oui, oui, oui. Puis les éléments nutritifs aussi. Qu'il y a dans la pluie qui tombe. Ah, oui, OK. Puis par les feuilles aussi, elle va en absorber, mais ça joue un grand rôle, ça. Oui, oui, oui. Puis normalement, on les enlève pas, là. Il peut en avoir beaucoup qui débordent. Moi, je dis tout le temps, plus il y a des belles racines qui débordent, je dis, waouh, plus elle est en santé. Oui, plus elle est bien installée. Puis le substrat, ben c'est des copeaux. OK. On choisit les copeaux de bois parce que, justement, elle est faite pour vivre à l'air. Elle est comme juste accrochée, là, elle, là, dans la nature. Fait que si on y cache ses racines dans de la terre humide, ça pourrit. OK. Ça pourrit. Fait que le but, c'est d'avoir quelque chose de très aéré. Okay. De très aéré, puis qui va s'assécher assez rapidement.
Les pots, quand on les achète, les orchidées, sont souvent dans des pots d'origine qui sont transparents comme ça. C'est... De plastique. Oui, de plastique transparent. Le but, c'est que les producteurs font ça dans des pots comme ça parce que, justement, ces racines-là, dans la nature, sont à l'air libre. Ils voient le jour. Oui, ils voient le jour. Pour qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre, le pot transparent est idéal. Sinon, il y a des pots qui se vendent pour les orchidées spécifiquement, pour les phalaenopsis. Ça, c'est des phalaenopsis, c'est des grosses feuilles. Okay. Elle est considérée comme l'orchidée des débutants, elle. Fait que si vous voulez commencer, c'est la plus facile, les orchidées. OK. Quand on veut se lancer dans l'orchidée, on commence par celle-là. Puis c'est ça, les pots à phalaenopsis, ils sont plein de trous. Il va y avoir des beaux pots décoratifs en céramique, mais il va y avoir des gros trous dedans, partout. Okay. Précisément dans le but que les racines sortent par là. Ah oui, OK. Fait qu'on met les copeaux de bois, on l'installe solidement dans le pot, elle va tenir, puis au fur et à mesure qu'elle va croître, il y a des racines qui sortent en dessous ici, là. C'est ça, le vrai pot à orchidée, les racines vont sortir par les trous, puis c'est le but. Faut que ça sorte pour qu'elle soit aérée. Là, comme elle, on le verra pas à la caméra parce que c'est trop loin, là. Elle a énormément de racines. Je prends un gros pot. Elle pourrait être due pour un rempotage. Ouais. Ben, elle est due pour un rempotage. C'est parce que là, j'ai pas eu le temps de le faire. Et c'est sûr que c'est préférable de faire ça encore là au printemps. L'orchidée phalaenopsis a fleuri abondamment et longtemps. OK. Là, j'en ai pas une de celles-là. J'en ai 8. Il n'y en a pas une en fleurs. Sauf que ils ont toutes fleuri tout en même temps en décembre. OK. Fait que là, après la floraison, la floraison dure. Mon Dieu, j'ai coupé mes dernières ampes florales. J'en ai coupé la semaine passée. OK. Fait que décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Hey, c'est long. C'est quand même... Les fleurs, oui, les fleurs, ils restent très longtemps. Là, il y en a quelques-unes qui ont fait des nouvelles feuilles. Elle prend une petite pause entre les deux. Oui, oui, oui. Puis après ça, elle va souvent faire une nouvelle feuille. Puis après ça, elle va avoir une nouvelle floraison. Ça arrive souvent que c'est à l'automne qu'elle va faire une floraison. À l'automne et à l'hiver. Ça arrive souvent. Okay. Mais c'est ça, c'est que la floraison dure tellement longtemps que... Que c'est ça. Si on a au printemps, à l'été. Oui. Ça, c'est un petit peu particulier comme... Ouais. Mais si vous avez à commencer dans les orchidées, le phalaenopsis, c'est le plus facile. OK. Ensuite, mon Dieu, j'en ai quelques-unes qui sont pas connues ici, là. J'ai une belle grosse violette africaine ici. Ça, c'est une variété particulière, par exemple. C'est un cadeau. J'ai des fleurs fanées à enlever. Elle m'a été offerte par une dame qui a travaillé chez des sœurs. Dans un couvent, chez les religieuses. C'est les religieuses. Puis, c'est une religieuse qui avait fait cadeau d'une violette comme ça. Moi, personnellement, j'en avais la grosseur des feuilles. Okay. La variété, c'est les feuilles d'une violette africaine. C'est beaucoup plus petit. Les pétioles sont courts. Ça fait une belle petite rosette toute courte. Oui. Puis elle a des grosses feuilles. Elle est grosse. Les feuilles sont toutes gaufrées. C'est vraiment... Ben oui. Je n'avais jamais vu de cette variété-là. Fait que j'étais bien contente. J'ai eu un beau cadeau. Une petite rarissime. J'en ai jamais vu dans les centres jardins. Pas encore. Ah, gadon! Non, c'est une vieille violette. C'est une vieille variété, oui. Puis je ne l'ai même pas trouvée encore. C'est quoi la variété? Ah, ouais. Puis c'est ça, j'ai des une broméliacée ici. Ça aussi, c'est particulier. C'est une plante qui peut être épiphyte aussi. Comme je disais tantôt. C'est la plante qui va pousser accrochée après les branches des arbres. Oui, OK. Et y en a beaucoup qui pensent que les plantes épiphytes sont des plantes parasites, et c'est pas le cas. Parce qu'une plante parasite, il y en a, mais on le spécifie. La plante parasite, elle s'accroche dans les arbres, sauf que ses racines vont rentrer... Elle va détruire son hôte, ben, elle va se nourrir de sa sève. OK. Puis souvent, elle va l'entourer tellement serré, puis les racines souvent vont
piquer dans le tronc, ils vont se nourrir de la sève. Ça endommage l'autre, la plante. Oui, c'est comme un parasite. Ouais. Tandis que l'épiphyte, elle se sert de son hôte, de la plante, seulement pour s'accrocher, c'est comme un support. Fait que la broméliacée est un peu comme l'orchidée. Elle peut pousser dans les arbres, mais il y en a des terrestres aussi, il y en a qui poussent au sol. La particularité, c'est que, encore là, c'est une plante qu'on va garder, elle, de l'eau constamment dans la coupe. Vous l'arrosez pas dans le terreau? On arrose le terreau, on le garde légèrement humide, mais on maintient toujours de l'eau dans la coupe. Parce que dans son pays de croissance d'origine, la pluie tombe, puis il y a toujours une humidité, puis une petite quantité d'eau dans la coupe. Puis elle a des cellules particulières développées à l'intérieur du feuillage. Pour aller chercher cette humidité-là. Aller chercher les éléments nutritifs, pour absorber les éléments nutritifs en plus grande quantité. Fait que là, on y garde une petite quantité d'eau toujours dans la rosette. De l'eau claire, de l'eau sans engrais dedans, là? Sans engrais, parce que j'ai déjà expérimenté, même avec les algues marines, c'est pas sa tâche. OK. Fait qu'est-ce qu'on peut faire si on veut fertiliser avec les algues marines? On lui met la quantité d'eau dans la rosette. On laisse ça là quelques heures. Ensuite, on la vide, on la rince, on enlève le surplus. Elle va avoir absorbé des éléments nutritifs suffisamment. Puis on remet juste de l'eau claire pour pas tacher le feuillage. Ouais. Puis sa particularité, elle, c'est que aussi, c'est qu'elle fleurit une seule fois. Elle va faire une belle grande ampe florale. Puis elle va fleurir une fois, après ça, le plant mère meurt. Mais elle va se mettre à faire des bébés après. Fait qu'on récolte les bébés qui vont, à leur tour, être empotés dans des pots individuels qui vont fleurir à leur tour. Et c'est une fois. Là, elle, elle n'a jamais fleuri encore. OK. Fait que je la force, c'est une variété qui est difficile à trouver sur le marché. C'est un Guzmania Homer Morobé que j'ai déniché au centre jardin où je travaille il y a exactement 7 ans. Oh, wow! Puis j'ai pas réussi à en avoir d'autres. C'est assez rare comme ça. Elle est rare parce que son feuillage est rose, rose, vert et blanc. Puis j'en ai pas, elle est dure à trouver. Fait que c'est des petites particulières, un petit peu comme ça. Des petits trésors. C'est mes petites préférées, oui, mes petits trésors. Ainsi que, j'ai des Hoya. Puis ici, j'ai un Stapelia. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un Stapelia nobilis. C'est une plante grasse. Ça ressemble à un cactus, mais c'est pas. C'est pas un cactus parce que ça n'a pas d'épines. C'est vraiment une plante grasse. Puis dans les plantes grasses puis les cactus, faites très attention aux arrosages l'hiver. Très attention. Il faut vraiment un bon arrosage. Un cactus l'hiver, il peut être 2 mois facile sans arrosage. Même dans les périodes les plus sèches, qu'on peut dire, là, où on chauffe le plus. Bien, c'est ça. C'est que le cactus a besoin un peu des plantes grasses, mais plus les cactus. Très peu d'arrosage, beaucoup de lumière et de la fraîche. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile à équilibrer tout ça. Le truc, c'est un bord de fenêtre. On sait que l'hiver, quand il fait moins 20 dehors, la fenêtre veut pas, elle dégage la fraîche. Oui. C'est un bord de fenêtre avec, mettons, une tablette où le chauffage va être détourné pour pas surchauffer en pleine lumière. Puis le jour même, on peut mettre baisser un star. OK. Moi, je prends. J'ai dans l'idée un rebord de tablette de sous-sol. Oui. Les fenêtres de sous-sol ont souvent... Ils ont une espèce de bordure. C'est ça. Oui. Le mur est là, c'est comme sur le mur. Puis en baissant les stores, la plante a le maximum de lumière, mais le maximum de fraîche aussi. Sauf que la nuit, on le lève. Pour pas qu'il gèle. Ouais. Puis on arrose décembre, janvier, pas une goutte d'eau, c'est officiel. Pas du tout. J'en ai un gros cactus, là, il est à terre. Là. Lui, je l'arrose, même l'été, je l'arrose une fois par 2 mois. Oh. Parce qu'il y a quand même un gros pot. Puis c'est une plante
assez âgée. Mon régisseur, il va me pousser ça par ici. Lui est particulier aussi. Ça, c'est un pachypodium. Il fait des feuilles. Il fait des feuilles. C'est un cactus à feuilles. Mais reste que lui, il est vraiment particulier. Il a une croissance plus active l'hiver. Ça, il ne faut pas se fier sur lui. Ouais. Mais l'été, je l'arrose. C'est vraiment sec. Le meilleur guide, pour un cactus, Seigneur, que c'est sec. Attendez que ce soit sec. Même attendre, là, nous autres, on le voit pas à la caméra, là, que la motte de terre, elle se décolle un peu d'après le pot. Ouais. Elle est tellement sec qu'elle rétrécit. OK. Fait que quand on voit un petit jour alentour du pot, la motte est décollée. Là, on est à peu près certaine que c'est sec jusqu'au fond. Ouais. Puis même moi, des fois, je vérifie. On a toujours, tout dépendant des pots, ce pot-là, il est pratique parce qu'il y a un gros trou. Ouais. Je vais mettre le doigt en dessous, puis il est sec jusqu'au fond. Là, je le sais, je sens aucune humidité. Là, je pourrais l'arroser. C'est la meilleure façon pour pas trop arroser un cactus. Même en plein été, l'été va demander peut-être un petit peu plus d'eau, mais attendez officiellement que la motte se décolle d'après le pot. OK. Parce que il va tolérer beaucoup plus une longue période sans eau que trop d'eau. Parce que trop d'eau, là, il va carrément pourrir. Ouais. Sauf que lui, il est particulier. Lui, il est particulier. C'est un pachypodium. Il est appelé aussi palmier de Madagascar. OK. Parce qu'il fait des têtes de feuilles comme un palmier. Puis là, je le sais qu'il y a eu trop d'eau parce qu'il y a un petit brunissement de feuilles ici. OK. Mais lui, je l'ai testé. J'ai fait tellement d'expériences avec lui. Il y a une croissance plus active l'hiver. Il y a une raison particulière? C'est louche. Oui, parce que dans son pays d'origine, la saison des pluies, c'est une saison plus froide puis plus sombre. OK. Puis lui, il se met en croissance puis il va développer ses feuilles. C'est là qu'on l'arrose plus. Parce que dans son pays, c'est une saison de pluie, il a besoin d'eau. Il va faire ses réserves d'eau. Okay. Il va développer ses feuilles pour aller chercher le maximum de lumière parce que c'est très sombre, parce que c'est des mois durant les saisons de pluie. Mm-hmm. Puis pendant l'été, ben là, quand ça tombe dans la saison sèche pour lui, il a fait ses réserves, lui. Il les a faites, ses réserves, pendant la saison de pluie. Fait que si je l'arrose trop, là, ça marche plus. Là. Il n'est plus en saison de pluie. Là. Il a fait ses réserves, fait qu'il a besoin de beaucoup moins d'eau au sol, même très peu. Là. Je vous dirais que je l'arrosais peut-être aux 2 mois. Je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas les fois que je l'arrose. Okay. Puis même encore là, il y en a eu un petit peu trop. Je pense que j'aurais pu passer presque 3-4 mois sans l'arroser. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, lui, il est un petit peu particulier. Mais la majorité des cactus, c'est le contraire. C'est parce que c'est des cactus désertiques. Là, c'est une autre chose. Okay. C'est ceux-là qui ont besoin d'une période de froid et de pas d'eau du tout. Hey, j'aimerais ça, avant qu'on termine, il nous reste 2 minutes à peu près. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de... Ça m'intrigue, ça. Les algues marines? Les algues marines. Oui. C'est quoi la différence entre... c'est sûr, c'est biologique, mais à part ça, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que c'est biologique. Des algues marines par rapport à d'autres algues. C'est parce qu'avec une algue... D'autres engrais de synthèse. C'est parce que l'algue marine, vu que c'est bio, il y a des micro-organismes. Okay. C'est comme du vivant, ça, parce que ça se conserve pas ad vitam aeternam, les algues marines. Okay. Surtout si vous diluez d'avance, par expérience, un mélange déjà fait, on peut pas le garder longtemps, et il va fermenter. Ah, OK. Fait qu'il y a de la vie là-dedans. Oui. Fait qu'on nourrit notre sol, puis vu que c'est bio, c'est naturel, dans le fond, algues. Il n'y a aucun danger de brûlure, de racines avec des algues. Okay. Un engrais chimique, il faut vraiment faire attention de diluer les bonnes doses qui sont indiquées, très petites doses, puis s'assurer de toujours arroser sur un sol déjà humide.
Ah. Parce qu'il y a toujours un risque de brûlure, il y a toujours un risque de surdose. Puis les plantes réagissent très, très, très mal à des surdoses. Ouais, assez particulier, les symptômes, là. Puis l'algue, ben c'est ça, c'est vivant. Puis on ne fait pas juste nourrir la plante. Moi, j'ai tout le temps... un engrais chimique, la plante développe une dépendance. Ah! À l'engrais chimique. Faut y en donner, parce que sinon, vraiment, à dépérir à vue d'œil, quand on arrête les engrais, c'est vraiment particulier. Puis quand on y va bio, ben on peut en donner régulièrement, sans craindre de brûler les racines. Puis vu que le sol, il est comme vivant, elle va toujours, la plante, chercher un petit besoin qu'elle a. Si peu soit-il, elle va le trouver dans le sol. Fait qu'elle est comme stabilisée. C'est de la nourriture plutôt qu'une dose de café. Une dose de café! Bon, mais c'est tout le temps qu'on a cette émission-là. On va se retrouver l'année prochaine, avec un autre sujet. J'ai envie qu'on parle de terreau puis de... Oui, de rempotage. Période de rempotage, mycorhize, de plantes intérieures, mycorhize, ces petites affaires-là. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine.